Bonjour tout le monde, c'est Samira du blog aritudo.com et dans cette vidéo je vais vous donner une idée de peinture facile à faire et à reproduire si jamais vous manquez d'inspiration. Il arrive des fois qu'on manque d'inspiration pour dessiner ou pour peindre. En effet, le dessin est un exercice qui nécessite de faire travailler son imagination. Et des fois, le cerveau, pour une raison ou pour une autre, se trouve parfois dans une situation où il n'est pas du tout productif. Il s'agit d'une situation naturelle qui ne devrait pas vous inquiéter, rassurez-vous, et que vous devez savoir que ça arrive à tout le monde. Donc, dans le domaine du dessin ou de la peinture, on appelle cela, dans le jargon artistique, le syndrome de la page blanche. Donc, je vous rassure une deuxième fois, c'est quelque chose qui arrive très souvent et même les meilleurs sont passés par là. Alors, cette phase de manque d'inspiration peut être plus ou moins longue, tout dépend de comment vous l'abordez. Alors, c'est une phase tout à fait normale, mais il est important que vous l'intégriez et que vous soyez prêt à la vivre pour ne pas stresser et peut-être même douter de vous et vous dire que vous n'avez pas d'imagination. Donc ça arrive à tout le monde, je le répète encore une fois. Donc vous allez éviter de stresser et surtout de vous trouver une alternative qui pourra vous permettre de vous décontracter et comme ça vous allez laisser libre cours à votre imagination. Alors, comme je vous l'ai dit et que je le répète encore une fois, et je m'excuse si je suis très insistante, ça arrive à tout le monde. Même les meilleurs sont passés par là. Personne n'y échappe. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout d'abord, vous devez savoir que ce syndrome de la page blanche est un mécanisme tout à fait naturel. Il découle souvent d'une fatigue, d'un surmenage ou d'autres facteurs complètement différents. Il serait difficile de donner une cause exacte, tellement les causes peuvent être d'origine diverse, donc ça peut être la fatigue ou tout simplement, on n'est pas prêt, on veut tout simplement se lancer dans la peinture ou le dessin, mais notre mental n'est pas tout à fait prêt. Alors par contre, vous devez savoir qu'on peut facilement en venir à bout, c'est-à-dire dépasser ce syndrome de la page blanche. En réalité, il existe beaucoup de méthodes pour venir à bout de ce syndrome. Et dans cette vidéo, je vais vous donner ma méthode à moi, la méthode que j'utilise et qui marche très bien pour moi, qui me permet des fois de ne pas rester ou sombrer dans ce petit problème de manque d'inspiration. Étant donné que nous sommes tous différents, vous n'êtes pas obligé de procéder exactement, de faire la même chose que moi. Néanmoins, ma méthode pourra vous servir d'inspiration pour vous trouver une échappatoire de ce cercle vicieux. Et oui, c'est un cercle vicieux parce que ça peut mener jusqu'à la procrastination, au report au lendemain ou peut-être à une autre date et peut-être même ne plus jamais prendre ses pinceaux ou ses crayons. Et je trouve ça un peu dommage de laisser tomber une passion qu'on aime et qu'on apprécie beaucoup. Alors, ma méthode pour trouver l'inspiration. Dans ce genre de situation, ce que j'ai l'habitude de faire et que je vous conseille, c'est de vous inspirer d'une histoire déjà existante et de la recomposer à votre sauce, avec la technique qui vous semble adéquate, l'aquarelle par exemple, ou les crayons de couleur ou les feutres ou tout simplement le crayon graphite et de reprendre cette histoire et de la reproduire à votre façon. En effet, les histoires sont déjà dans votre mémoire, dans votre imaginaire, vous n'aurez qu'à les sortir de votre tête par exemple et de les recomposer, de les reproduire à votre manière, d'après votre ressenti par exemple. Donc n'hésitez pas de mettre un petit peu de votre personnalité. C'est ainsi que vous pourrez opérer un déblocage de votre inspiration. Donc prenez une histoire qui vous semble particulièrement familière et qui vous rappelle à de forts sentiments et c'est comme ça que ça va être beaucoup plus facile de passer à la tâche de la reproduction.
il y a quelque temps, alors que j'étais en manque d'inspiration, comme je vous ai dit, tout le monde passe par là, j'ai eu l'idée de dessiner à ma manière une histoire que j'affectionne particulièrement. Donc je vais vous conter l'histoire de ce projet. Je vous ferai savoir pourquoi j'ai décidé de peindre une fable de Jean de La Fontaine, en l'occurrence l'histoire du corbeau et du renard. Donc j'ai toujours été une personne très friande des histoires. J'ai toujours adoré écouter et même raconter des histoires. En effet, les histoires me rappellent mon enfance. Ma grand-mère avait l'habitude de nous en raconter le soir à chaque fois qu'elle venait nous voir à la maison, et elle nous racontait des histoires extraordinaires. Des histoires vraies, moi j'aime beaucoup les histoires vraies, mais des fois elle nous racontait aussi des histoires imaginaires. C'est l'un de mes meilleurs souvenirs de mon enfance et me le remémorer m'amène toujours un fort sentiment de bonheur. Bien que très frustrant, le manque d'inspiration ne doit pas vous décourager. Donc voyez plutôt cela comme une occasion de revisiter les histoires que vous affectionnez, particulièrement quand vous étiez plus jeune, à votre façon, avec vos couleurs et avec votre style de dessin propre à vous, ou alors votre style de peinture. Donc personnellement, j'ai décidé de peindre la fable de La Fontaine, le renard et le corbeau, en respectant le rôle de chaque personnage dans l'histoire, pour rester un petit peu dans l'authenticité de l'histoire, mais avec mes couleurs à moi. Cela m'a permis de rester, on peut dire, plus fidèle à la version de l'histoire et donc à mon souvenir d'enfance. Cependant, vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi. Alors, j'ai représenté le renard en orange et le corbeau avec une robe noire bien perchée sur l'arbre, comme dans l'histoire originale. Alors, pour représenter cette histoire, j'ai utilisé de la peinture aquarelle, j'ai utilisé des crayons de couleur de chez Action que j'ai dilués dans l'eau. Ils sont aquarellables, d'après ce que j'ai vu. En tout cas, voilà, pour moi, ça a donné de chouettes résultats. Et j'ai aussi utilisé des feutres écoliers. Donc, j'ai représenté le renard en orange, avec d'abord des crayons de couleur orange. Je veux dire avec d'abord le crayon de couleur orange, puis j'ai utilisé du feutre que j'ai ensuite dilué à l'eau. Pour le corbeau, pour adoucir sa robe, j'ai ajouté un peu d'indigo pour qu'il ne soit pas vraiment très très noir, très sombre. Le point fort de cette aquarelle reste la simplicité. Alors je l'ai exprimé par les couleurs, par la technique et par le dessin. Donc vous n'êtes pas obligé d'être un très bon dessinateur pour représenter une histoire d'enfance. Vous pouvez partir de simples dessins et au fur et à mesure vous allez ajouter des éléments, des couleurs, etc. Et voilà, représenter cette histoire à votre façon, à votre sauce.
Donc, par cette peinture, j'ai voulu redonner à cette histoire plus de couleur et de chaleur. Ainsi, j'ai dû rajouter un peu plus de couleur au tableau, plus de détails, plus de finition, etc. On va dire plus de fantaisie. Donc, remarquez que j'ai ajouté quelques traits, quelques éléments colorés pour donner un peu plus de couleur et de mouvement et d'originalité à mon histoire. Alors le renard qui se trouve lui aussi perché, on va dire, sur un tas d'herbes, lui apporte un peu plus de prestance. Et le corbeau avec le sourcil froncé qui a du mal à parler à cause de ce qu'il tient entre son bec.
La perspective est par contre cimement mise à rude épreuve. En effet, les deux dessins semblent ne pas être dans le même plan. Alors vous n'êtes pas obligé de respecter les proportions, la perspective, les différents plans, les couleurs, etc. Vous revisitez l'histoire comme vous la sentez. Par exemple, pour ma part, j'ai représenté le corbeau d'une corpulence beaucoup plus grande, je veux dire, il a l'air beaucoup plus gros, alors qu'il est perché sur une branche qui semble beaucoup plus fine, plus petite aussi, pour pouvoir supporter le poids de la bête. Mais malgré ça, ce n'est pas grave, ça a été voulu. J'ai un petit peu exagéré un petit peu dans les proportions. Et j'ai aussi exagéré dans les couleurs et même dans l'atmosphère, je veux dire, dans l'arrière-plan. C'est-à-dire que d'abord, j'ai aussi ajouté un petit peu d'expression à mes... Comment on va dire ça, mes acteurs de la scène. L'air indifférent du renard permet d'apporter une touche parodique à cette scène mythique de la fable de Jean de La Fontaine. La présence des étoiles est assez contradictoire parce que j'ai ajouté des étoiles à un fond qui a l'air, je veux dire, on sent que on est en plein jour. Qu'est-ce qu'elles font les étoiles dans le ciel? Malgré tous ces points contradictoires, remarquez que le tableau reste très bien harmonisé et respecte les grandes lignes de l'histoire originale. Donc c'est exactement ce que j'ai voulu traduire par ce chef-d'œuvre, on va dire, par cette histoire. C'est une originalité, mais tout en respectant l'histoire. Donc j'aurais voulu ajouter à ce tableau un soleil couchant ou des flocons de neige. Mais bon, voilà, je me réserve de vous l'offrir sur une autre version de mon travail, certainement dans une prochaine vidéo dans laquelle je vais représenter peut-être une autre histoire de mon enfance. Donc profitez de cette idée de peinture pour utiliser d'autres techniques ou différentes techniques en même temps, ce qu'on appelle par technique mixte.
utiliser des feutres avec des crayons de couleur, du collage, de la peinture, du coloriage. Profitez par la même occasion de cette méthode pour explorer différents outils, c'est-à-dire avec les techniques mixtes. Ça va vous permettre soit d'utiliser des pochoirs, de la peinture acrylique avec un peu de pastel sec, etc. Le plus important, c'est de dépasser ce syndrome de la page blanche et de vous y mettre. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez peindre, colorier, coller, etc., vous allez stimuler progressivement votre imagination et vous allez avoir des idées qui vont venir petit à petit. Mais vous allez surtout ressentir moins d'anxiété et plus de confiance en vous. Sachez que dans une technique mixte, l'erreur est facile à contourner, à corriger et même à exploiter. Donc je le répète, vous allez piocher dans vos souvenirs d'enfance ou dans les histoires qui ont marqué votre enfance et vous allez les illustrer à votre sauce avec la technique qui vous convient, qui vous plaît surtout. Voilà ce qu'il en est concernant cette méthode, ou plutôt cette idée de peinture pour trouver l'inspiration. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a inspiré. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un pouce haut, un pouce j'aime et de la partager. Ce sera votre belle façon de m'aider à mieux faire connaître ma chaîne et je vous en remercie vivement d'avance. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ça n'a pas encore été fait. Laissez-moi un commentaire, une question ou juste une appréciation concernant cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre dès que possible. Si vous êtes intéressé par le dessin ou par le coloriage, je vous invite à télécharger votre kit de dessin ou de coloriage gratuit dans lequel vous allez recevoir une formation de plus d'une heure. Pour celle du coloriage d'1h30, ainsi que des bonus et un tas de conseils très utiles pour bien débuter et démarrer dans la matière. Tout est gratuit et sans aucun engagement. Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.